Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we are on chapter 12 of the French vocabulary course. We are going to learn everything about la nature. Nature. In the book we are going from page 113 to 118 and for the exercises from 12.1 to 12.8. If you don't have the book you can still follow the lessons, it's not a big deal. Here is everything that we are going to see today. We are going to start by la nature, some more general vocabulary. La mer et la plage. La montagne. Les minéraux et les métaux. Les arbres. Les plantes et les fleurs. L'écologie. Et dans le ciel. Let's start with la nature. We are going to see 10 words of vocabulary and 2 sentences. Those are very general vocabulary, then we are going to move to very specific one for each point. As usual, you can see the page that we are in the book and the exercises for the topic. So we have le ciel, un désert, un glacier, une île, la jungle, une montagne, la mer, l'océan, le soleil, and un volcan. Let's see two sentences. Entre 50 et 70 volcans rentrent en éruption chaque année. Entre 50 et 70 volcans rentrent en éruption chaque année. Le ciel est dégagé, il n'y a aucun nuage. Le ciel est dégagé, il n'y a aucun nuage. Exercise 12.1. La mer et la plage. La mer et la plage. Like we saw before, la mer, l'océan. La mer, l'océan. La plage, and le sable. Le sable. Now let's get a little bit more specific. We have les algues, une baleine, la barrière de corail, la barrière de corail, la brise, un coquillage, salt water, l'eau salée, une étoile de mer, we saw this one in the lesson about animals, une étoile de mer, les galets, les oiseaux, and les palmiers. Five more. La pêche, les poissons, une vague, le coucher de soleil, le lever de soleil, le coucher de soleil, le lever de soleil. Le quai a été brisé en morceaux par une énorme vague. Le quai a été brisé en morceaux par une énorme vague. Les enfants jettent des galets dans l'eau. Les enfants jettent des galets dans l'eau. Exercise 12.2. I think you have 10 sentences. And then you have to find the right word missing in every sentence. Now we have la montagne. La montagne. My favorite place. Montagne. Une cascade. The top of the trees is called la cime des arbres. La cime des arbres. Usually the trees in the mountains are evergreen. Les conifères. Les
Conifère, conifère. Une falaise. La forêt. On the trees, we can find a lot of la mousse. La mousse. So it's moss. It's just like the foam. Same, same word. Une prairie. Une prairie. Un rocher. Un rocher. Le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne. And la vallée. La vallée. Let's see two sentences. Les montagnes ont quelque chose de magique. Les montagnes ont quelque chose de magique. I agree. Beaucoup de gens se marient au sommet d'une montagne. Beaucoup de gens se marient au sommet d'une montagne. Exercise 12.3. Les minéraux et les métaux. You have a long list in the book. I think I chose 15 of different type, a little bit of everything. Of course, two sentences after that. But you have more in the book. And also, don't forget to download the audio. All the lists in the book have been recorded and edited. It takes a lot of time, so please go download them. Also, it's really good for you to practice. You can read and listen at the same time. It will help with your pronunciation a lot. All right, let's see the 15. They are by alphabetical order, as usual. Une ombre, l'argent. L'argent, so it's silver, it's also money. L'argent. Une azurite, le cristal, le cuivre, this one is very well known, le diamant, we saw it as well with jewelry, when we saw jewelry, une émeraude, le marbre, l'or, l'or, une perle, une pierre précieuse, a gem. So if we translate, a precious rock, un saphir, la topaze, une turquoise. Le rubis est la pierre de naissance des personnes nées en juillet. Le rubis est la pierre de naissance des personnes nées en juillet. Ils extraient la perle de la palourde. Ils extraient la perle de la palourde. Exercise 12.4. Next one, les arbres. Les arbres, trees. We are going to see 5 words of more general vocabulary, then 5 type of trees, and then we are going to see the fruit trees, which are very interesting. So let's see the 5 first. We have une branche, quite easy to remember, une branche, une feuille, une pomme de pin. Une pomme de pin, les racines, and le tronc, not tronc, le tronc. 5 very common trees we have, le bouleau, le chêne, l'eucalyptus, le hêtre and le pin. Now let's see the fruit trees. I'm going to take over the screen because I have a lot to show you. So let's do this. So on the left, I'm going to have les arbres fruitiers, fruit trees, and les fruits on the right, un fruit. Un cerisier, une cerise, une cerise. Do you see how it's easy to remember both of them?
simply because they are so similar. Un pommier, une pomme. Un pommier, une pomme. Un poirier, une poire. Un poirier, une poire. Un avocatier, un avocat. Un avocatier, un avocat. Un citronnier, un citron. Un olivier, une olive. Un cocotier, une noix de coco. Un cocotier, une noix de coco. So this one is a little bit different. Un oranger, une orange. Un oranger, une orange. And finally, the last one, it's not really a fruit, but we have l'érable, l'érable, and le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Let's see two sentences. Les cerisiers au Japon sont merveilleux au printemps. Les cerisiers au Japon sont merveilleux au printemps. L'huile d'eucalyptus est extraite des feuilles d'eucalyptus. L'huile d'eucalyptus est extraite des feuilles d'eucalyptus. That was quite easy. Exercise 12.5. I think for this one you have to give the fruits. Or the fruit tree. I don't remember. One of those. Les plantes et les fleurs. We are going to start with three verbs. We have fleurir. Fleurir, to blossom. Fleurir. Planter. Planter. And germer. Germer. Three more common vocabulary. We have un pétale. Un pétale. Des racines, just like the trees, des racines, and a stem is une tige, let's keep going, we have un bourgeon, le gazon, l'herbe, l'herbe, and one of my favorites, les mauvaises herbes, which means the bad grass, that's how we translate it, les mauvaises herbes. Now let's see 10 different types of flowers and plants. We have un bégonia, un bouquet de fleurs, un coquelicot, une fleur fanée, une fleur sauvage, wildflower. La lavande, une orchidée, une rose, un tournesol. Now, let's see two sentences. Le lys est la fleur préférée de ma mère. Le lys est la fleur préférée de ma mère. La plupart des plantes doivent attendre que la neige ou la glace fonde avant de fleurir au printemps. La plupart des plantes doivent attendre que la neige ou la glace fonde avant de fleurir au printemps. Exercise 12.6. An important subject related to nature is l'écologie. L'écologie. We are going to see three different slides, 15 words, and obviously two sentences as usual. So we have le climat, la couche d'ozone, la couche d'ozone, la déforestation, le développement durable, les économies d'énergie. Talking about energy, we have l'énergie,
l'énergie propre, l'énergie propre, l'énergie éolienne, éolienne, l'énergie éolienne, l'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable and l'énergie solaire, l'énergie solaire, l'environnement, l'environnement, une espèce en voie d'extinction, une espèce en voie d'extinction. Waste is called le gaspillage. Le gaspillage. Le réchauffement climatique, du même mot, le climat climatique. Le réchauffement climatique and something that can really help, le recyclage. Le recyclage. La couche d'ozone ne cesse de s'amincir chaque année. La couche d'ozone ne cesse de s'amincir chaque année. Les ressources naturelles diminuent de plus en plus. Les ressources naturelles diminuent de plus en plus. Exercise 12.7. The last point that we are going to see today is dans le ciel. Dans le ciel. In the sky. We have 10 words and I'm sure you already know quite a few of them. So let's see. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. So rainbow in French is an arc in the sky. It's pretty self-explanatory, I think. Un arc-en-ciel. Une aurore boréale. Une aurore boréale. Un éclair. Un éclair. Une étoile filante. Une étoile filante. A shooting star, a regular star. Les étoiles. Les étoiles. This one technically is not in the sky when you can see it, but from there. La neige. La neige. Then we have un nuage. Un nuage. Une planète. Une planète. La pluie. La pluie. And le soleil. Le soleil. Let's see two sentences. Lorsque le champ magnétique de la Terre interagit avec les particules chargées du soleil, cela provoque des aurores boréales. Lorsque le champ magnétique de la Terre interagit avec les particules chargées du soleil, cela provoque des aurores boréales. Il y a un dicton qui dit qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y a toujours un peu d'or. Il y a un dicton qui dit qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y a toujours un peu d'or. That's it for today. You can do exercise 12.8. On Wednesday, we are going to see everything about vacation and transportation. Les vacances et les transports. Don't forget to subscribe and like this video. It really helps me. And I will see you on Wednesday. À mercredi.